Merci d'être toujours de notre sur la chaîne panafricaine Afrique Média. L'indicatif, ne vous trompe pas, c'est activité présidentielle Guinée-Équatoriale. De ce beau bateau à destination de Malabo pour déjà connaître l'activité du président de la République, son excellence Obiangui Mbazawa, pour ce samedi 7 avril 2018. L'actualité en Guinée-Équatoriale, lorsque ça regarde le président de la République, a toujours été dense. Voici d'ailleurs le sommaire avec un invité de marque, un autre de marque auquel on va dérouler le tapis rouge dans quelques minutes seulement du côté de l'aéroport présidentiel de Malabo. Il s'agit du président indien, le 14e président de la République indienne d'ailleurs, que la Guinée-Équatoriale accueille pour la première fois qu'un président indien foule le sol équato-guinéen. On va un tout petit peu scruter de quoi il sera question de cette visite inédite du président indien dans nos murs. Il faut le dire que le président indien, après bien sûr moult tractations entre Malabo et New Delhi pour déjà paraffer le lien d'amitié et de coopération, avec notamment les deux derniers rendez-vous auxquels le président de la République a assisté, notamment en 2015 et tout récemment en 2018. Ramnath Kovind est donc dans nos murs pour ratifier certains accords de coopération entre Malabo et New Delhi. Vous voyez déjà la ville de Malabo déjà parée et pavoisée aux couleurs de l'Inde. On va revenir cette fois-ci pour parler de la religion et on va prier avec le couple présidentiel Théodore et Constance Amangue Dobiang qui se sont donc recueillis là-bas du côté de la Sainte Cathédrale métropolitaine de Malabo pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. On va revenir pourquoi déjà l'Église catholique universelle célèbre cette fête qui commémore bien sûr d'ailleurs les 40 jours bien sûr d'aumône, de pénitence et surtout de jeûne avec bien sûr la première dame de la nation qui a assisté au dimanche des rameaux. On va parler bien sûr de la religion dans cette émission activité présidentielle Guinée-Équatoriale. Et puis le président de la République a été une fois de plus auréolé, c'est pas avec n'importe qui, avec bien sûr un comité international dit des sages, un trophée des trophées pour miser pour la science, l'industrie et le génie humain. Un quorum constitué entre autres des sages, des érudits experts et éminences grises du monde politique, économique, social et culturel d'ici et d'ailleurs qui sont bien habillés en toge rouge, alors que le président de la République est bien placé là au milieu pour recevoir bien sûr aussi bien la bénédiction de ces sages africains et du monde culturel que bien sûr des érudits chercheurs. On va donc en parler durant cette émission activité présidentielle Guinée-Équatoriale sur la télévision panafricaine Afrique Média. Voici déjà le sommaire de ce nouveau numéro d'activité présidentielle Guinée-Équatoriale. Et pour en parler toujours avec les mêmes, donc les habitués du plateau, d'abord Mathias Fouda Obama, qui est notre consultant, toujours fidèle à son poste. Mathias, une fois de plus, bonsoir. Oui, bonjour Mendené, bonjour Santander. Je voudrais profiter comme ça pour dire un bonjour particulier, n'est-ce pas, aux panafricanistes du côté de l'Inde, hein, aux 28 États de l'Inde, et bien sûr à celle de la capitale New Delhi. Je profite également comme ça pour dire bonjour aux panafricanistes, n'est-ce pas, à la communauté indienne en Guinée équatoriale, effectivement, à la communauté guinéenne, n'est-ce pas, au dire la diaspora guinéenne, n'est-ce pas, en Inde. Donc je profite comme ça pour dire, c'est comme ça pour féliciter et un peu auréoler, n'est-ce pas, la coopération entre l'Inde et la Guinée équatoriale. Donc je profite pour dire comme ça bonjour à cette partie, à cette coopération, à tous ces Indiens qui sont présents chez nous et en Afrique. Et voilà qui est dit, on va en parler en tout début d'émission activité présidentielle. Co-présentateur activité présidentielle, bien sûr, Miguel Antonio Santander Villarubia. Miguel Antonio, bienvenue une fois de plus à cette autre émission activité présidentielle. Merci Juan Pedro Mendene, nous voici encore une fois sur ce plateau pour faire donc le travail de tous les samedis, donc venir comme ça un peu déballer toutes les activités du président de la République et dire déjà qu'aujourd'hui cette activité sera chargée puisque, comme vous l'avez dit, la Guinée équatoriale attend un invité de marque, donc à la personne du président indien qui, je crois, d'ici peu va fouler donc le sol équato-guinéen. Donc une visite d'État qui va sûrement
mettre les relations de coopération entre la Guinée équatoriale et l'Inde sur un nouveau cap. Et puis surtout que ça bouscule du côté de la métropole politique où il y a bien sûr une myriade, bien sûr, de personnalités déjà massées du côté de l'aéroport présidentiel de Malabo où, bien sûr, votre télévision panafricaine va vous dire tous les aboutissants, bien sûr, les tenants et l'aboutissant de cette visite inédite du président indien en Guinée équatoriale qui va fouler le tarmac dans quelques minutes seulement. Alors là, Miguel Antonio, avant donc d'amorcer tout ce qu'on a déballé tout de suite, mais je vous accueille avec trois activités présidentielles, avec la diplomatie présidentielle. Durant cette semaine, le président de la République a envoyé le président du Parlement national auprès de ses homologues lors de la 138e Assemblée, Assemblée générale de l'Union interpanafricaine du côté de Genève en Suisse, puisqu'on le sait déjà, l'Union africaine va adopter ou ratifier l'espagnol comme une langue de travail. Il ne reste que 8 pays, 8 verrous, qu'on va dire comme ça, puisque déjà sur les 32 qui doivent ratifier, 24 l'ont déjà fait. Oui, étant donné déjà que le pays est membre, donc avait déjà proposé aussi que l'espagnol soit une langue de travail au sein donc de cette organisation. Je crois que la demande avait déjà été faite il y a de cela plusieurs années. Donc on c'était est à Maputo, au Mozambique, voilà, en 2007. Voilà, lors de ce sommet. Donc là, on est déjà dans cette phase de, on va dire comme ça, de soutien. Vous l'avez dit, je crois que la majorité ont déjà soutenu donc cette demande de la Guinée équatoriale. Donc cela vient de monter un peu suffisant un peu ce côté diplomatique, cette politique de la Guinée équatoriale, de faire aussi un peu cette expansion de la langue au sein de l'organisation panafricaine. On a vu le président de l'Assemblée nationale lors de cette rencontre de l'Union interparlementaire, donc entretenir des rencontres bilatérales avec ses homologues. Ouais, notamment donc, celui du Cap-Vert. Celui du Nigeria. Donc, hormis l'Angola également. Donc, hormis ces questions de coopération, l'un des sujets mis sur la table, c'était donc celui donc de cet appui hein, pour que la langue espagnole soit aussi une langue de travail au sein de l'Union africaine. Donc, il faut déjà dire qu'au sorti de là, je crois que d'ici là, on pourrait déjà, pourquoi pas, avoir cette approbation, même si encore des petits verrous qui sont là, mais je crois déjà qu'avec aujourd'hui la position de la Guinée équatoriale, le travail qui est en train d'être fait, je crois qu'on pourrait avoir cette unanimité. Une fois de plus, le président de la République qui a envoyé un émissaire du côté, bien sûr, de Bangui, le ministre à la présidence chargé de la sécurité extérieure, Juan Antonio Bibantutsuma, pour raffermir d'abord l'axe de coopération entre Malabo et Bangui, surtout sous cette synergie de coopération en termes de sécurité internationale. En termes de sécurité internationale, je crois aussi que les deux pays, déjà, il faut dire, entretiennent des parfaites relations, mais je crois aussi que l'un des sujets aussi peut être un peu avec la suite par rapport à la tentative de déstabilisation. Je crois qu'on en compte un peu avec ce dossier, même si certains résultats fussent déjà dus déjà à cette collaboration. Donc on est là dans ce cadre-là, déjà de cette solidarité, parce que c'est vraiment important, puisque on va pas peut-être revenir longtemps sur ce sujet, dire déjà que c'est vrai que l'action avait été tentée contre la Guinée équatoriale, mais c'est une action qui pourrait pu toucher tous les pays de la sous-région, donc d'où déjà cette collaboration. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est en train de donner des fruits. Il y a eu déjà des noms qui ont surgi. Et je crois que ça continue, autant donné que les enquêtes sont là. Il y a encore des petits points qu'il faut éclairer. Et je crois aussi que les questions de coopération étaient aussi là-dedans, au menu donc de l'entretien entre l'émissaire de Malabo et le président centrafricain. Question aussi de voir comment raffermir davantage les relations de Malabo et Bangui. Et une dernière question, bien sûr, avec la Guinée équatoriale qui a bien sûr été investie officiellement, c'était le 5 avril dernier du côté d'Addis Abeba en Éthiopie comme membre du côté du Conseil Pêche et Sécurité de l'Union africaine. Conseil Pêche et Sécurité, ce n'est que déjà la confirmation, parce que lors de la dernière rencontre, c'était le vice-président de la République, voilà, qui avait représenté le président de la République. Il y avait déjà on va dire cette nomination qui avait déjà été faite, ce vote à la Guinée équatoriale. Donc, comme je l'ai dit, c'est là où je viens de montrer déjà suffisant hein, le poids aujourd'hui que la Guinée équatoriale a dans le Conseil des Nations. On est déjà aujourd'hui au sein déjà de l'organe, le plus grand organe de décision au niveau donc de ce monde, dans le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, un autre poste aussi au niveau de la représentation panafricaine, c'est dit déjà un peu le rôle et cette force que la Guinée équatoriale est tentée d'apporter.
Voilà, la technique est assurée par Henri Joël Tsientchek de plein fouet cette fois-ci pour le sommaire avec la visite d'État du président indien, avec Malabo qui est paré et pavoisé aux couleurs de l'Inde. Mathias Fouda Obama, on le parlait déjà durant les dernières instances du président de la République du côté de l'Inde. Voilà déjà un président indien qui ne voyage pas trop souvent puisque c'est le premier ministre indien qu'on voit sur le devant de la scène politique internationale, Narendra Modi, qui parle des fois en France, du côté de l'Allemagne et bien d'autres pays. Mais voilà un président indien qui se déplace personnellement pour venir en Guinée équatoriale. Oui, avant d'intervenir, n'est-ce pas, sur votre préoccupation, je voudrais tout simplement rapidement rebondir, n'est-ce pas, sur les trois points qui ont été évoqués ah, bah, voilà, justement. Par Santander et sur un point important qui est celui de la langue espagnole, n'est-ce pas, au niveau voilà, de l'Union africaine. La ratification. Voilà, pour dire que effectivement, aujourd'hui, il faut surtout comprendre que la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, c'est le porte-parole ou la vitrine, n'est-ce pas, de la de culture, cette langue, la culture hispanophone en Afrique. C'est ce petit pays à moins d'un million d'habitants, n'est-ce pas, qui veut imposer ou alors demander à l'Union africaine tout entière, à l'Afrique tout entière, n'est-ce pas, d'instaurer la culture espagnole, parce que vous savez que la langue, n'est-ce pas, c'est celle-là qui véhicule la culture. C'est le pilier de la culture d'un espace, d'un peuple. Donc aujourd'hui, l'espagnol, au même titre que le français, bien sûr l'anglais, deviendra, n'est-ce pas, une langue officielle, n'est-ce pas, à l'Union africaine. C'est pour dire que l'Espagne en particulier devait comprendre qu'effectivement, la Guinée équatoriale, c'est certes un petit pays, mais c'est ce petit pays-là qui représente la culture hispanophone en Afrique. Et que c'est important, effectivement, qu'on va véhiculer cette culture dans notre environnement. C'est un point à souligner pour dire qu'effectivement, on reconnaît, et par le biais historique, n'est-ce pas, la colonisation et tout ça, qu'on est lié à ce peuple et par la culture et par la colonisation. C'est important de le souligner et qu'on va continuer effectivement à vouloir véhiculer cette culture au niveau de notre continent. Justement. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'Inde, il faut dire que, aujourd'hui, entre la Guinée équatoriale et l'Inde, ce sont les relations qui sont en train de s'interposer entre les deux nations. On se souvient que le président était déjà inauguré lors de ce forum entre oui, l'ambassade. A inauguré l'ambassade. Mais il faut surtout souligner que depuis 2008, l'Inde se présente comme un partenaire important pour l'Afrique. Il y a eu un forum à Inde-Afrique en 2008. Il y a eu un deuxième forum en 2011. Où, n'est-ce pas, l'Inde veut se placer, n'est-ce pas, comme un partenaire important en Afrique pour essayer de développer et renforcer le commerce, surtout renforcer le commerce, l'industrie et effectivement ce qu'on appelle l'idée, l'investissement direct à l'étranger dans les secteurs comme le développement, les petites et moyennes entreprises, effectivement. Il parle d'informatique également, l'énergie, effectivement, et l'industrie, c'est qu'on sait l'investissement direct à l'étranger. Il y a également la partie de l'intégration régionale, la sécurité alimentaire, où l'Inde veut effectivement s'investir en Afrique là-dessus. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Inde est un partenaire, comme on parle aujourd'hui du Japon, de la Chine. L'Inde également se présente, c'était un grand pays avec une population importante. Ils ont une certaine notoriété dans certains secteurs où ils sont effectivement pionniers. Donc, je pense qu'ils pourront apporter une grande aide, non seulement en Afrique, mais en Guinée équatoriale. On se souvient, lors du premier forum, je crois le deuxième, ils avaient déjà ouvert une ligne de crédit, je crois que c'était 2,1 millions d'euros au pays africain. Africain, justement. Justement. Donc, voilà, tout ça, l'Inde, c'est pour dire que l'Inde se présente là comme un partenaire important pour l'Afrique, et la Guinée équatoriale étant un pays africain, développe des relations importantes et bien sûr privilégiées avec ces pays. Et comme l'Afrique et comme cette jeune et belle demoiselle auquel les grandes puissances veulent convoiter, Miguel Antonio, un autre envoyé spécial du côté de l'aéroport présidentiel, Luciano, aux dernières nouvelles, lorsque j'entrais en studio, il me disait que le fond même de cette visite du président de la République de l'Inde sera plus basé sur l'agriculture. Et on voit cette fois-ci une importante délégation indienne qui fait le tour de la Guinée équatoriale. Cette fois-ci, elle est du côté de la région continentale du pays. Il faut préciser déjà, Mathias a donné un peu certaines dates des différents déplacements, vous aussi, des chefs d'État, et des rencontres aussi avec
autorités indiennes. Il faut dire là maintenant qu'on est là dans une phase de consolidation, je dirais, de la coopération bilatérale. Parce qu'au niveau diplomatique, il faut déjà dire que la relation est au beau fixe, puisque les deux pays ont déjà ont leur déjà leurs représentation ambassadeurs, oui. diplomatique et ambassadeur. Là maintenant, on veut maintenant être un peu plus fixé dans les secteurs, comme vous avez dit, celui de l'agriculture. Et je crois que ça, d'ici là, peut-être, ce sera une visite qui va se solder peut-être avec un accord au niveau de ces secteurs, parce qu'on a vu aussi un peu ces délégations au niveau du ministère de la Culture échanger avec les autorités de ce département. Mais je crois qu'il faut dire en gros que ce sera une visite, ma foi, que je pense qu'elle sera soldée par peut-être au niveau aussi dans le domaine aussi de l'investissement, si je peux le dire comme ça, parce qu'on a vu aussi, notamment lors de cette dernière rencontre en Inde, celui de mars 2011, en parlant de l'alliance sommet de l'Alliance Sommet de solaire l'Alliance solaire internationale, internationale. où on parlait déjà de cette utilisation à De bon escient de l'énergie. l'énergie solaire. Et je pense qu'aujourd'hui, comme la Guinée équatoriale est dans cette phase d'expérimentation de l'énergie solaire, je crois que c'est aussi un secteur où l'Inde aussi peut apporter son expertise au pays, puisque parmi les principaux pays donc qui dominent un peu le secteur, l'Inde, je crois, il est troisième ou quatrième. Donc je crois que là-dedans aussi, ce serait un point aussi qu'on pourrait, pourquoi pas, évoquer lors de ces différentes rencontres entre les deux dignitaires ou bien encore entre les différentes délégations. Mais il faut déjà dire que, en parlant d'agriculture, puisque c'est un secteur qui est inscrit en bonne place dans les nouvelles politiques du gouvernement en vue de diversification de l'économie, je crois que c'est aussi un secteur que l'Inde aussi pourrait, pourquoi pas, apporter son expertise au pays. Il faut aussi dire que l'Afrique a aussi besoin de moyens de santé sophistiqués. Et depuis, bien sûr, l'Inde avait déjà développé depuis des décennies, grâce à sa production générique de bon marché, une visite très attendue du président indien. Déjà, la physionomie que présente, bien sûr, la cité capitale équato-guinéenne qui accueille en ce moment même le président indien, voici déjà vu et raconté par nous et pour nous avec Miguel Antonio Santander via Rubia. La ville de Malabo, pavoisée aux couleurs de la Guinée équatoriale et de l'Inde, en prélude à la visite d'État du président Ramnath Kovind. De l'aéroport international de Malabo au centre-ville, en passant par l'autoroute qui donne à la ville de Sipopo, les drapeaux des deux pays flottent côte à côte. Des pancartes à l'effigie des deux chefs d'État bondent les principales avenues et rues de la ville. Et à cela s'ajoutent des pancartes exprimant des phrases comme « Vive l'amitié et la solidarité entre la Guinée équatoriale et l'Inde ». Un décor qui donne à la ville de Malabo un air de jour de fête. Cette visite du président indien en terre équato-guinéenne intervient plusieurs jours après le séjour du président Obiang Mbazogo en Inde pour participer au premier sommet de l'Alliance solaire internationale tenu le 11 mars à New Delhi. Rencontre dont l'objectif était de trouver des voies et moyens pour faire asseoir l'objectif de cette alliance qui est de contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique par un déploiement rapide et massif de l'énergie solaire. Une visite qui permettra aux deux pays de resserrer leurs liens et faire passer leur relation de coopération à une nouvelle étape. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Malabo, elle, de son côté, est déjà prête pour accueillir son invité de marque. Une cité capitale équato-guinéenne qui a fait sa grand-mue, la mue, bien sûr, de tous les jours et surtout des grands jours comme celui-ci d'accueillir un invité de marque. Miguel Antonio, dans l'agenda du président indien, il va également visiter le Parlement national. Le Parlement national, comme cette représentation un peu de cette politique participative de la population, donc ce sera aussi l'occasion. Peut-être si bon, on ne sait pas comment c'est organisé au niveau du protocole, peut-être l'occasion aussi peut-être pour le président indien de s'exprimer devant les élus du peuple, essayer un peu de présenter un peu ce qui peut être aujourd'hui, on va dire, cette coopération gagnant-gagnant entre l'Inde et la Guinée équatoriale. Mais il faut déjà aussi souligner ici que l'arrivée du président indien en Guinée équatoriale est la première étape d'une tournée africaine, il faut le préciser, parce que après la Guinée équatoriale, il se rendra également au Swaziland et en Zambie. Et il faut donc préciser que c'est la troisième
Troisième sortie, vous avez dit que c'est un président qui ne voyage pas Oui, beaucoup. il ne voit pas Donc, trop. c'est sa troisième sortie au niveau du continent. Il a déjà été le mois dernier donc, à Madagascar et à l'île Maurice. Donc, comme l'a dit aussi notre consultant, une façon aussi de l'Inde de se présenter déjà comme ce partenaire, Ce potentiel. ce potentiel partenaire pour le continent africain. On a eu ces différents forums Inde-Afrique. C'est dit déjà aussi que l'Inde aussi est déjà dans cette expansion de ce marché africain. Donc, je crois que l'Inde a beaucoup apporté au continent et au continent aussi. Il y a des potentialités. Je vois que voilà pourquoi aussi il y a déjà ces différents déplacements. Donc, au niveau de la Guinée équatoriale, comme je l'ai dit, je crois c'est une visite qui pourrait donc se solder par des signatures d'accord. On n'en sait pas encore, mais on le saura peut-être d'ici demain après les échanges entre les deux délégations, surtout entre les deux chefs de l'État. Mais il faut déjà dire que si vraiment il y a des secteurs que l'Inde peut vraiment apporter son expertise au pays, vous avez cité qu'il y a le secteur agricole, il y a aussi ce secteur de l'énergie solaire, sans oublier aussi un secteur où on sait, avec la communauté indienne qui est beaucoup présente au niveau de Justement, chez le nous, le commerce. commerce, donc il pourrait aussi y avoir des échanges un peu plus importants dans ce niveau. Pour sortir, monsieur le consultant, un dernier mot avant de continuer avec l'émission. Voilà le président indien qui va fouler le sol équato-guinéen dans quelques poussières de secondes seulement du côté de l'aéroport présidentiel de Malabo. Oui, je veux collaborer au propos de Santander pour dire qu'il y a deux points ou deux aspects ou deux axes importants où on va essayer effectivement de focaliser cette relation entre la Guinée équatoriale et l'Inde. On a parlé de l'agriculture et ils sont spécialisés en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc, on va en bénéficier là-dessus et je crois que ça sera l'un des points importants pour cette coopération ou pour cette visite. On parlera également de cette partie de l'énergie solaire où le président de la République, lors de sa descente d'avion lorsqu'il revenait de l'Inde pour ce forum d'énergie solaire, où il a été intéressé et qu'il a dit qu'on va essayer de développer dans nos nouveaux districts, n'est-ce pas, développer cette énergie solaire. Donc, je crois que c'est les deux points où, effectivement, où on va essayer de s'intéresser beaucoup plus et où on peut avoir, effectivement, beaucoup plus d'attention pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire sur ce deux points-là, l'agriculture et, bien sûr, l'énergie solaire. L'actualité, c'est aussi la première dame de la nation qui est présentement en ce moment du côté du lycée français Le Concorde qui souffle sur sa 20e bougie depuis sa création. Souvenez-vous bien, le président de la République en personne avait déjà inauguré le collège Le Concorde là-bas du côté de Paraíso, mais cette fois-ci, ça fait déjà 20 ans. On va donc voir les deux audiences que la première dame de la nation a concédé d'abord à Madame Rita Constant, l'épouse de l'ambassadeur de France accrédité en Guinée équatoriale, puis avec la ministre des Affaires sociales et de l'égalité du genre pour parler de cette fois-ci de l'état de lieu de l'autonomisation de la femme en Guinée équatoriale. La première dame de Guinée équatoriale, invitée au 20e anniversaire de la création du lycée français de Malabo, le Concorde, prévu ce 7 avril. Invitation formulée à l'épouse du chef de l'État par Rita Constant, épouse de l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale et président du comité de gestion de ce lycée lors d'une audience. Occasion pour les deux dames de se féliciter mutuellement pour cette nouvelle année et aborder certaines questions liées à la coopération. Inauguré par le président de la République de Guinée équatoriale, ce lycée, qui à l'époque n'était encore qu'une petite école, portée par une poignée de pionniers français, est aujourd'hui un établissement conventionnel de l'AEFE, scolarisant plus de 400 enfants de toutes les nationalités, de la maternelle au secondaire. Quelque temps après, Constance Yamangé-Doudian reste en audience ministre des Affaires sociales et de l'égalité du genre, Maria Kouzoungi-Moyana. Les échanges entre la première dame et la ministre ont porté sur l'aide aux personnes défavorisées. Après une étude menée par ce département qui a révélé que 300 personnes entre enfants et personnes du troisième âge en situation défavorisée ont besoin urgemment d'un appui pour sortir de cette situation. Le rapport de cette étude a été remis à la première dame, très impliquée dans les questions sociales et humanitaires. La communauté chrétienne catholique universelle et celle de la Guinée équatoriale en particulier ont célébré ce dimanche la résurrection du Christ et conclu ainsi en beauté la Pâque. Une messe qui a compté avec la présence du couple présidentiel et d'autres personnalités est célébrée par le vicaire de la Sainte Cathédrale métropolitaine de Malabo en présence de Monseigneur Juan Zuezan, archevêque de Malabo.
En vérité, le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous a libérés de nos péchés, ont été entre autres les paroles du vicaire lors de son homélie. La célébration de la Semaine Sainte jusqu'au dimanche de résurrection dans notre vie sociale et commune, nous devons la vivre avec la conscience posée en Dieu qui nous a donné à son Fils unique pour mourir sur la croix et nous libérer de tout le mal, a ajouté le célébrant, invitant l'assistance à la passion et à l'amour du Christ. L'Évangile, selon saint Jean, nous parle d'amour entre frères pour atteindre le royaume des cieux, autre phrase révoquée par le célébrant pour conclure son homélie. Durant la messe, les fidèles chrétiens ont offert des offrandes et participé à l'Eucharistie. Avec la bénédiction finale, du vicaire a pris fin la messe. Activité présidentielle Guinée-Équatoriale sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Voilà déjà le deuxième sujet pour parler une fois de plus de la PAC. C'est fini, il y a déjà une semaine et vous avez vu la première dame de la nation aux côtés de son époux qui se sont donc recueillis du côté de la Sainte Cathédrale Métropolitaine de Malabo pour le clou de 40 jours de pénitence, de 40 jours de prière et 40 jours de monde pour les chrétiens, que ce soit catholiques, orthodoxes et bien d'autres. Voilà, là, ça nous remène déjà en question pour revenir, Miguel Antonio Santander via Rubia, la forte présence du couple présidentiel lorsqu'il s'agit déjà des affaires de l'Église. Et je crois qu'ils le font comme tout bon chrétien catholique, s'ils se plient aux normes un peu de cette Église. Donc c'était toute une semaine de Pâques, donc vous l'avez dit, 40 jours de jeûne, 40 jours de repentance, et cette fin, la messe du dimanche de Pâques vient marquer donc un peu toute cette fin de cette semaine sainte. Donc je crois que le coup présidentiel, comme tout bon chrétien catholique, ne déroge pas à la règle. Donc et vous l'avez vu déjà avec le dimanche de Rameau aussi, on a vu aussi, je crois, la première dame aussi qui était donc à la messe, je crois, au niveau peut-être personnel avec les 40 jours de jeûne, chacun le fait dans son petit coin. Mais il faut déjà dire, quand il s'agit déjà de cette célébration où tous les frères, tous les fils, frères chrétiens se retrouvent dans le temple de la prière, on voit toujours que le couple présidentiel est bel et bien présent. Et bel et bien présent. Et Mathias, lorsqu'on dit la laïcité du pays, donc la Guinée équatoriale, bien que ce soit bien sûr un pays éminemment catholique, on a dû ajourner, et bien sûr, la journée de prière qui aura lieu demain sur toute l'étendue du territoire national, puisque normalement, selon bien sûr l'adoption de cette nouvelle loi, elle doit se célébrer le premier dimanche de tous les mois d'avril. Et comme la Pâque tombait justement le dimanche passé, on a donc dû ajourner. Mais nonobstant, on voit le couple présidentiel, à l'instar bien sûr des fêtes traditionnelles dans toutes les localités, et toujours, comme l'a dit Miguel Antonio Santander via Rubia, au four et au moulin, parlant bien sûr de la foi chrétienne. Oui, une fois de plus, avant de répondre à votre question, je voulais rapidement revenir sur la présence de la première dame, n'est-ce pas, à l'école française. À l'école française, oui. Pour dire rapidement que ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'on est un pays hispanophone, mais la langue française est également une de nos langues en Guinée-Équatoriale, c'est la deuxième langue, et que depuis 1989, on a parti, bien sûr, on a intégré, bien sûr, la francophonie, et qu'il existe, bien évidemment, l'école française en Guinée-Équatoriale, comme dans tous les pays de la francophonie, effectivement, les deux écoles. Donc voilà, c'est dans cette ambiance-là que la première dame, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, de ce côté, n'est-ce pas, pour célébrer le 20e anniversaire, ou bien le 20e anniversaire du lycée Le Concorde. Donc on est bien sûr bilingue, on parle bien évidemment. On va même dire trilingue avec le portugais également. La conscience le permet, on parle espagnol, première langue, et français, la deuxième et langue. Et puis langue, portugais. Donc, voilà. Donc maintenant, par rapport à votre question, il faut tout simplement dire que la présence du coup présidentiel, n'est-ce pas, c'est le reliquat, où on dira c'est l'empreinte même, n'est-ce pas, de l'esclavage et de la colonisation par cette culture importée qu'est, n'est-ce pas, le catholicisme, où on dira le fait de la Bible et bien sûr la croyance l'enfant de Dieu qui est Jésus-Christ, voilà, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, voilà, à tous ceux que dit la Bible et le reste. Donc voilà, la Bible nous fait comprendre que effectivement Jésus est mort sur la croix et il a été ressuscité, et voilà, et le coup présidentiel, n'est-ce pas, par ce biais de l'esclavage et bien sûr la colonisation,
la culture étant mélangée effectivement, avec la et voilà, la religion. religion, voilà, et le couple d'Ancel était fervemment catholique, voilà, c'est des hommes pieux, la foi, dans la foi catholique, on le sait bien évidemment, on a vu que le présent est tout présent dans ce qui concerne le catholicisme, s'il faut inaugurer, n'est-ce pas, les églises et autres, les tout présents, on a vu ces visites, n'est-ce pas, à la Sainte, je veux dire, à la Rome, voilà, Au dans Saint-Siège. les années 2016 et 2017, effectivement. Donc, le président, avec sa femme, sont des fervents croyants, mais cela n'empêche, la conscience équato-guinéenne, nous sommes un pays laïque, et effectivement, vous l'avez évoqué, on fait effectivement référence à d'autres religions et l'espace est tel qu'il est. Il y a bien sûr l'islam qui est là également, qui côtoie. Il y a bien sûr d'autres églises éveillées. Il y a cette journée qui a été, je crois, en 2017 ou en 2016, Tout récemment, en récemment, en 2017. 2017, voilà, comme le premier avril, comme journée internationale ou De journée la nationale de la prière. De prière, la prière. effectivement. Voilà, donc on est là-dessus. On est un pays catholique à 90%. Les 10%, c'est des pays qui se partagent entre le musulman et d'autres religions, donc on est bien là-dedans, mais on note également que le président, le couple présidentiel, c'est un couple éminemment et très croyant dans le catholicisme, donc c'est pourquoi ils sont présents et qu'ils respectent effectivement dans l'enfance, dans la culture, où ils ont été élevés dans cette culture catholique, et voilà, donc ils la respectent et ils en font leur champ de bataille culturel journalier. Ils prient tous les jours, les dimanches on voit, ils sont là, c'est des croyants, c'est des grands croyants. Et surtout, lorsqu'il faut le dire, il faut dire que, bien sûr, la laïcité du pays revient, l'avènement de la laïcité du pays revient, bien sûr, alors, bien sûr, de 1979, puisque n'oublions pas que lors du premier régime dit de triste mémoire, les églises et surtout les hommes en soutane étaient persécutés, mais avec l'avènement, bien sûr, du président de la République, son Excellence Obendiman Bazo, on a rouvert les églises, et voilà pourquoi cette floraison des églises en Guinée équatoriale, à l'instar bien sûr de l'Église catholique, vous l'avez évoqué, que la Guinée équatoriale est un pays éminemment catholique. On va parler de cette action humanitaire de la première dame de la nation qui construit à ses propres frais 18 logements sociaux du côté de Moka, une cité balnéaire perchée du côté de l'hémisphère sud de Bioko, à destination bien sûr de plus d'une vingtaine de familles sans abri. Vous allez voir les images où habitaient d'abord ces familles dans des taudis. Et bien sûr, et cette fois d'ici sous peu, grâce bien sûr à la magnanimité de la première dame de la nation, 18 logements sociaux poussent déjà des terres comme des champignons. La caravane ayant d'abord la dame de cœur et la femme d'action lèche ici les entrailles de la cité montagneuse et au climat particulièrement tempéré de Moka, niché en plein cœur de la forêt équatoriale, à l'hémisphère sud de l'île de Bioko. Loin du protocole, du luxe et du confort du palais présidentiel, arborant fièrement une tenue plutôt décontractée, la première dame de la nation vient ici prendre le pouls du chantier de construction de 18 logements sociaux, gracieusement offerts à plus d'une vingtaine de familles qui, dans un laps de temps, vont devoir abandonner leur jadis taudis et bicoques pour ces luxueux appartements qui jaillissent déjà des terres comme le champignon. Et c'est justement pour faire les arbitrages de l'évolution des travaux lancés il y a à peine 2 mois que l'épouse du président de la République, ici en parfaite communion avec les populations de la cité dont elle a été élevée au prestigieux rang de maire honorifique, est venue s'enquérir tout en prenant langue avec le maître d'ouvrage. Un tour de propriétaire dans chacun des 18 bâtiments construits en parpaing, contrairement aux maisons antérieurement faites en matière de fortune. À chacun des bénéficiaires de cette manne humanitaire, Mme Constance Siamangue Dobian a adressé un message de réconfort et d'injection de morale. Les heureux bénéficiaires à leur tour, qui ne sont pas restés indifférents de recevoir les fruits de la passion de la dame de cœur qui est partagée l'humanitaire, tous ont remercié du fond de cœur qui l'altruisme, qui la magnanimité,
qui la générosité et qui l'humanisme incontestable et incommensurable de celle qu'on appelle affectueusement ici en Guinée équatoriale, Mamakor, qui ne ménage aucun effort au quotidien pour partager l'amour, le sourire, la joie et l'humanitaire aux âmes en peine, aux souffreteux et aux déshérités, qui implore la grâce divine de guider toujours l'âme de la première dame de la nation à voler toujours au secours de ses causes sociales. Le président de la République, une fois de plus, auréolé pour sa manne humanitaire et surtout un bâtisseur, bien sûr, aussi bien du côté de la Guinée équatoriale que du continent. Trophée des trophées misé pour la science, l'industrie et le génie humain. Je me retourne directement vers vous, Miguel Antonio Santander Villarubia. Vous avez vécu en chair et en os avec votre double casquette de traducteur et de journaliste envoyé spécial du côté de la présidence de la République. Vous avez vu ces éminences grises du monde politique, économique, social et culturel. C'est un quorum du comité international dit des sages. Dit des sages, donc dénominé le CICA, donc le comité des sages et experts internationaux, donc qui se sont rapprochés de la présidence de la République, du palais du peuple de Malabo, pour auréoler autant pour moi le président de la République du titre de protecteur, de grand protecteur de la science et bâtisseur de nouvelles cités, avec donc un collier, mais aussi une représentation, donc une statuette du Sphinx, hein, donc le Sphinx au dire du professeur Ndossa, qui est aussi donc le président du CICA et maître de cérémonie, donc ce Sphinx, pour montrer un peu cette grandeur, cette force du président de la République, en parlant donc mythe, en parlant d'intelligence, en parlant donc de prudence, de réflexion qui se matérialise donc par des actions. Et là, il faut dire que je pars en m'appuyant sur les propos du professeur donc Ndossa, pour dire déjà que cette distinction est sans précédent. Donc pour dire déjà que ce n'est pas, ils ne sont pas levés du jour au lendemain pour venir donc en Guinée équatoriale décerner un prix au chef de l'État, le chef de l'État équato-guinéen. Ça a été une concertation de toutes ces personnes que vous voyez là. En image, il y a des docteurs agrégés, des experts scientifiques, et même des journalistes aussi, et écrivains. Donc c'est une concertation entre toutes ces personnes. Et il a ajouté, pour dire déjà que l'encre d'un savant, l'encre des savants ne triche pas. Quand un savant plasme quelque chose sur un support, c'est pour l'histoire, donc c'est pour immortaliser, c'est pour la prospérité. Il faut déjà donc dire que cette cérémonie de distinction, ou on va dire de reconnaissance internationale, plus que là, dans le CISA, vous retrouvez donc des savants, alors là, des experts. En image, une figure quand même qu'on connaît à Afrique Média, le président Bandakani en oui, bleu. Oui, aussi qui fait donc, est aussi donc dans ce groupe d'experts internationaux. Et ça, comme je le disais, que ce CICA est composé des experts et sages venus donc de tous les quatre continents du monde, parce que là vous allez retrouver ce qui revient donc des États-Unis, des pays africains, on a de l'Océanie, l'Asie et bien d'autres. Et donc là, le CISA, c'était là en image, là, lors de la cérémonie, il y avait six académies donc qui provenaient de ces différents pays ces différents continents que j'ai cités, et chacun remettait déjà, là vous l'avez en image, il y avait, hormis déjà ce prix, le prix lui-même, hein, qu'ils ont dénominé le trophée des trophées. Ah oui. Donc pour dire déjà que c'est le sommet de toute une action qu'un être vivant peut faire en matière donc de science, puisque là c'est surtout le côté scientifique qui est un peu vu avec la figure du Sphinx, comme je vous le disais, cette intelligentsia, cette réflexion intelligentsia pour pouvoir donc amener des actions en faveur de la science. Et là chaque représentant des académies remettait donc aussi au chef de l'État une distinction, mais aussi des bouquets. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux sont aussi des écrivains, donc des bouquets que beaucoup ont élaborés, notamment dans le domaine des mathématiques, le domaine de l'histoire aussi. Et pour ajouter aussi un autre élément aussi important, donc noté par, évoqué par le professeur
Ondossat, c'est déjà dire hein, que le motif même de leur visite en Guinée équatoriale, donc c'était pour reconnaître déjà, sous forme de d'hommage solennel aux actions du président de la République. Et l'une des actions que le professeur a dit et qui va vraiment rester dans les annales de l'histoire, c'est ce geste aux scientifiques, hein, le prix UNESCO au Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Je crois que beaucoup d'entre eux ont participé à la 4e édition, donc tenue ici à Malabo, à Sipopo, au centre de conférences internationales, pour vous dire que ça, c'est ce qu'ils ont appelé, donc, qui les a amenés à dénominer cette distinction, le trophée de trophées, comme pour dire mettre une action, mettre une initiative au service du monde pour améliorer, pour contribuer à la garantie de la santé et améliorer les conditions de vie de population. Donc, en gros, il faut dire que c'était donc une cérémonie de reconnaissance internationale. De reconnaissance internationale, le trophée des trophées qui auréole le président de la République, Mathias Fouda-Oubama, comme l'a dit Miguel Antonio Santander via Rubia, une reconnaissance de plus, nonobstant, bien sûr, vous l'avez dit dans nos antérieures éditions, que les chiens aboient, la caravane passe avec, bien sûr, bien d'autres lobbies, les cancans, mais le président de la République reste adulé par le commun des éminences grises du monde, et quels que soient les secteurs. Non, écoutez, c'est pas du folklore, c'est de la reconnaissance et du mérite. Oui. Eh bien, je crois que c'est suite, n'est-ce pas, aux actes posés par le président de la République, que ces éminentes personnalités ont effectivement vu qu'il était temps de présenter au président de la République des reconnaissances, que ce soit en acte ou en symbole, pour reconnaître Même en pensée. en pensée, effectivement, pour reconnaître ce que le président de la République fait pour le continent africain, ce que le président de la République fait pour le monde entier, n'est-ce pas, en ce qui concerne les actes humanitaires. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas du folklore, c'est du mérite, de la reconnaissance. On ne va pas revenir sur tout ce que le président de la République a fait en ce qui concerne le continent africain. On se souviendra, n'est-ce pas, de cette récupération de la CAN De la 2015. canne de façon Inédite, humanitaire effectivement, on se souviendra, n'est-ce pas, de son aide, n'est-ce pas, au niveau de de la la lutte FAO, contre Ebola. Ebola On se souvient également. en Sierra Leone et bien sûr en Guinée-Conakry. On se souvient de son geste au niveau de la aide pour les pays en difficulté, ce qui concerne Avec la la famine, sécheresse, la effectivement, la sécheresse famine et également, oui. autres. Voilà son aide. On se souvient de ses prix ACP pour la recherche et la paix, le développement qu'il a eu en 2012. Justement. Effectivement, donc voilà pour ces fonds qu'il a alloués, n'est-ce pas, pour la recherche de la paix à ces pays-là, aux pays de la CCP, Afrique, Caraïbes et Africains et panafricains, effectivement. Donc tout ça vient démontrer effectivement la volonté du président de la République à être là toujours au chevet, n'est-ce pas, du continent africain, à être au chevet du monde entier par rapport à apporter son apport. Donc c'est comme je disais, c'est pas fortuit. Tout cet ensemble d'actes démontre effectivement l'aventure du président de la République. Et effectivement, on remarque depuis 5 ans cette ferveur panafricaniste, n'est-ce pas, de partout dans le monde entier, de partout en Afrique, et où on veut reconnaître effectivement ceux-là qui œuvrent pour le bien-être des Africains, ceux-là qui œuvrent pour le bien-être, n'est-ce pas, du De monde, de l'humanité. l'humanité. Donc, le président de la République, tout ce temps a lutté pour tout ça. Donc, c'est une reconnaissance, c'est du mérite. Et la composition de ce comité des sages, comme l'a dit le Santander. Santander, c'est multi-folklorique, Dimensionnel. dimensionnel. Voilà, on a des professeurs, des journalistes, des Écrivain, des chercheurs, des journalistes. écrivains. Et le professeur Ondossa, c'est quelqu'un de reconnu dans tout ce qu'il fait. C'est un Gabonais, il est reconnu dans tout ce qu'il fait. Donc, vous avez cité Banakani, effectivement, il est reconnu dans tout ce qu'il fait. Donc, je crois que ce n'est pas un groupe de petits chercheurs ou de petits hommes. C'est un groupe des hommes de vertu et des hommes de qualité intellectuellement qui ont vu opportun, n'est-ce pas, de donner ce prix au président de la République. Donc, c'est une reconnaissance. Et cela vient effectivement au relais le pays, le peuple équato-guinéen et bien sûr, par ricochet, le président de la République, n'est-ce pas, qui met au devant de la scène, n'est-ce pas, le peuple équato-guinéen, ce petit pays de moins de 1 million d'habitants. On se souviendrait également, j'allais oublier, n'est-ce pas, de cette volonté du président de la République à investir, n'est-ce pas, sur le CISA, sur Justement voilà, pour les pour l'Union services africaine, voilà. d'intelligence, Voilà, donc renseignement. c'est tout ça qui fait en sorte qu'on voit que le président est toujours présent, il est toujours présent dans tout ce qui concerne l'Afrique, il est toujours présent en ce qui concerne l'humanité, il se donne de lui-même. Je pense que si il y avait
il ne serait pas peut-être président équato-guinéen. Et il y a un moment où il y a aujourd'hui un moment de penser s'il peut avoir le prix de la paix, n'est-ce pas, ce prix de la paix qu'on donne à tout le monde. Je crois que le président équato-guinéen aujourd'hui, notre président, il faudrait effectivement qu'on y pense s'il peut avoir ce prix de la paix, n'est-ce pas. Voilà, on va donc aller du côté de la régie avec Henri Joël Saint-Dieu, avec ce que notre envoyé spécial Miguel Antonio Santander nous a préparé pour cette cérémonie du trophée des sages. Le président de la République, auréolé du collier et titre de grand protecteur des sciences et bâtisseur de nouvelles cités, décerné par le Comité international des sages et experts internationaux, composé de docteurs, docteurs agrégés, scientifiques et spécialistes venus d'Amérique, d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Le chef de l'État et du gouvernement reçoit ce titre sur la base de certains facteurs et actions, notamment son implication dans la recherche de la paix, de la stabilité, de la solidarité, du développement et surtout son attachement à la recherche et à la promotion de la culture de l'excellence dans son pays, sur le continent africain et dans le monde, a ponctué le doyen de ce comité international de sages avant d'ajouter qu'une des grandes actions du président Obiang-Nguema Mbasogo, qui restera marquée dans les annales de l'histoire, est la création et le financement du prix international UNESCO Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Un prix pour contribuer à la recherche scientifique et améliorer ainsi la vie humaine, apportant des solutions aux problèmes de santé de l'humanité et bien dans d'autres secteurs comme l'agriculture. Le professeur et doyen du comité a conclu son intervention, soulignant qu'il décerne cette distinction au chef de l'État pour son soutien à la promotion du progrès, de l'unité et de la solidarité. C'est une façon pour nous d'exprimer notre profonde gratitude pour le service rendu et votre engagement, a conclu le professeur. Le président de la République, acceptant cette distinction, s'est dit profondément reconnaissant de ce geste qui honore le pays et montre à suffisance le travail et les efforts accompli par non seulement lui, son gouvernement, mais aussi tous les fils et filles de la Guinée équatoriale pour faire avancer le pays sur les rails du développement. Ceci malgré les attaques et informations diffusées par ceux qui l'appellent, je cite, les détracteurs de la Guinée équatoriale. Occasion d'inviter donc ces hommes et femmes du monde de la science et de l'enseignement à visiter le pays pour voir d'eux-mêmes la réalité et se faire ainsi leur propre opinion. Lors de cet acte de reconnaissance internationale, caractérisé aussi par la remise d'un prix à la première dame de Guinée équatoriale pour ses actions humanitaires et sociales, le président de la République a invité les membres du Comité international des sages et experts internationaux à être les nouveaux gardiens de l'intelligence et de l'action et de l'ingénieur des sciences comme le furent leurs ancêtres, les scribes et les anciens géomètres de la vallée du Nil, qui évaluaient et qualifiaient sans cesse les actes qui avaient une pertinence historique et sa projection pour le futur, manifestant que la distinction remise ce jour au nom du peuple de Guinée équatoriale vient s'ajouter à une longue liste de reconnaissances similaires décernées par des prestigieuses institutions académiques, organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont valorisé positivement le progrès de notre gestion politique. Le choix de la Guinée équatoriale pour ce prix, dénominé par ce comité le trophée des trophées, est de miser pour la science, pour l'industrie et pour les vertus préventives du génie humain, pour chercher sans cesse les formes de développement durable, garantir la stabilité économique et promouvoir le bien-être des citoyens, a ponctué le chef de l'État, invitant de nouveau ses enseignants et scientifiques à impulser de nouvelles élites universitaires et sages pour créer des universités, des académiciens professionnels et institutions géostratégiques pour augmenter l'objectif de participer à la gestion effective et à l'évaluation permanente à travers le génie scientifique pour changer positivement le chemin économique et industriel du pays, du continent africain et du monde. Et voilà qui fait le contenu complet de cette activité présidentielle Guinée-Équatoriale. Avant donc de rendre l'antenne au studio central, un dernier tour de table, Mathias Fourobama, notre consultant. Moi, je voulais revenir sur quelque chose d'important qui m'a particulièrement marqué, c'est cette reconnaissance ou cette loi qui sera votée au niveau de Genève pour adopter la langue espagnole. Au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, effectivement, la langue espagnole comme langue de l'Union africaine.
C'est pas une décision inédite, je crois que c'est la volonté fortuite, c'est la volonté du petit pays, la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, qui est le miroir, n'est-ce pas, de la culture hispanophone, à vouloir que cette langue, au milieu d'une cinquantaine de pays africains, que devienne une langue de l'Union africaine. Je crois qu'aujourd'hui, même l'Espagne devait comprendre effectivement que le miroir, n'est-ce pas, de sa culture, c'est la Guinée équatoriale en Afrique. Voilà, Miguel Antonio Santander via Rubia, rapidement. Moi, je resterai sur le fait marquant de l'actualité, donc de ce jour, c'est la visite d'État du président indien en Guinée équatoriale. Ouais, il est en train d'être reçu présentement du côté de l'aéroport présidentiel. De voilà, Malabou. Une première donc pour le pays. Donc, je crois déjà que là, pour la semaine prochaine, sur ce plateau, on viendra donc vous parler des débouchés de cette visite. Les débouchés de cette visite avec bien sûr les yeux d'Afrique Média, avec nos envoyés spéciaux qui sont là-bas pour suivre jusqu'au dernier détail cette visite inédite de Ramnath Kovind, le président indien en Guinée équatoriale. Activité présidentielle, point final. La régie technique était assurée par notre réalisateur maison, Henri-Joël Tsentche. Bon week-end à toutes et à tous et vivement la semaine prochaine.